Niao, so, niao. Pendant la crise, on était tous ennemis. Mais après la crise, on doit se réconcilier. Pour cela, ils ont organisé un match amical, yo, pour qu'on contre Bobo. Ils vont jouer ballon. So, niao, so, niao. Yo, pour qu'on ait trop sapé. Tu vas faire des matchs, peut-être bien, avec maillot de tête. De venir voter et puis de prôner la réconciliation. Je vous remercie. Oui, ce que j'ai réellement déploré, on nous avait demandé seulement que les passeports ou un papier ivoirien. Mais nous nous rendons compte ici qu'il faut plusieurs papiers plus que ça, ce qui est vraiment très gauche. Mais j'espère bien que la prochaine fois, ils pourront donner une liste quand même adéquate pour que les gens se préparent en fonction de la situation. Voilà. Mais dans l'ensemble, tout peut bien aller. Voilà. Nous sommes de Staten Island et nous sommes venus avec une grande délégation, mais malheureusement, tout le monde n'a pas pu voter. Voilà, bien. Ok, c'est pas grave. Ok, vas-y, pourquoi tu n'as pas voté? Moi, je n'ai pas voté parce que, d'abord, dans leur publicité, ils n'ont pas dit qu'il faut. Ils ont dit qu'il faut un passeport ivoirien, et puis une carte d'identité, et plus une adresse. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je suis venu avec mon passeport ivoirien. Je ne suis pas venu aussi avec une adresse, je ne sais pas. Donc, le gars, il a vérifié mon passeport, il a trouvé que, bon,
J'étais dans les normes, mais il me dit que je ne peux pas voter parce qu'il me faut une adresse. Je lui donne mon adresse, il me dit non. Il faut une preuve, il faut que je donne une lettre, quelque chose qui prouve. Alors que moi, j'ai vu la publicité sur Abidjan.net. Ils ont dit de venir qu'avec le passeport ivoirien seulement. Donc, je suis venu avec le passeport ivoirien. Arrivé ici, ils ont trouvé qu'il y a autre chose, il y a d'autres papiers à fournir. Donc, moi, je ne suis pas venu avec ces papiers. Oh, c'est pas ce qui a été dit sur Abidjan.net. Voilà. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.